Salut tout le monde, c'est Paul, bienvenue sur God of War Ragnarok. Alors c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu, ma fille. La dernière fois, c'est laissé ici avec le petit Atreus qui m'a fait découvrir beaucoup de trucs, c'était intéressant. Le sol a l'air fissuré là-bas. Oh, tu parles de ceci? Évidemment, voyons donc, on va le taper dans quelques instants et je crois que je dois le faire maintenant, hein? Il y a un raccourci par là. Oh, Pepito, tu me dis où aller maintenant, frérot? Ok, d'accord, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Ben oui, il y a quelque chose ici. Ok, attendez. On dirait que je peux aller en haut, mais la première chose à faire... Voilà! Ah, on se remet à tout casser pour le plaisir et le profit. Parfait. Le profit, c'est très 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 intéressant. Ça va me permettre de... Qu'as-tu entendu de l'offre de Odin? Au petit? Très peu. Ils sont sortis. Mais d'après ce qu'il a dit, tu n'as pas à t'en faire. Et les choses qu'il ne nous a pas dites? Ça va me permettre de réparer la maison que Thor a détruite, vous vous rappelez? Et j'ai jeté l'or d'Odin, alors. Ça va mal, mon affaire. Bon, maintenant, je sais même pas où je me dirige pour être honnête avec vous. Tout ce que je fais, c'est aller chercher des coffres à longueur de journée, on dirait bien. Ah, voilà, voilà, feu forgé, élément de fabrication. Ok, là, je suis revenu en arrière encore une fois, d'accord. Alors, est-ce que le bon chemin se retrouve en bas? Des fois, là, j'ai du mal à trouver le bon chemin. Du premier troll qu'on a combattu. Ah. Je me souviens que tu t'es laissé emporter. Ok, c'était par là. Le danger est proche. Oh, le danger est proche. Ok, si c'est comme ça, donnez-moi juste une seconde. J'ai quelque chose de nouveau pour le bouclier. Hein? Bouclier du gardien brisé. Ah, c'est pas du tout nouveau, ça. Je voulais aller dans la section compétences pour aller améliorer mes affaires, là, parce que je peux le faire. Je voulais le faire depuis le début, mais je pouvais pas. Mais maintenant, je peux. À moins que je pouvais le faire avant, mais je l'ai jamais remarqué. Mais bon, ça, c'est quoi? Les attaques au corps à corps avec les lames infligent des dégâts supplémentaires contre les ennemis gelés. Pas pour l'instant. Après avoir empalé un ennemi avec l'appel d'Hyperion. C'est quoi l'appel d'Hyperion? Ah, c'est ça, d'accord. Maintenez R1 pour vous propulser vers les ennemis au sol et infliger un étourdissement renforcé à l'impact. Oh, ça, je vais le faire, les amis. Ça, c'est nice. Après avoir empalé un ennemi avec le déferlement incandescent, maintenez R2 pour planter l'autre lame dans la cible. Envoyez une vague d'énergie ardente le long des deux chaînes pour provoquer une explosion infligeant d'énormes dégâts de brûlure. Ah, j'ai déjà gaspillé toutes mes expériences. Ok, attends, est-ce que je peux améliorer la hache? Y'a sûrement qui... Y'a ceci que je peux acheter. Les attaques au carré à la hache afflige des dégâts supplémentaires contre les ennemis enflammés. Bon, je vais pas prendre ça pour l'instant. Ce ne sera pas la première fois. Alright! Oh! Pépito! Attends, équipé de la hache, maintenez L1 puis appuyez sur R1 pour effectuer une attaque runique rapide. Ah! Tu ne peux pas parler sans ton bouclier. Un projectile! Oh! Regardez, attendez, attendez! Yo, guys, regardez ça! J'adore tellement utiliser cette attaque, c'est tellement le panel! Attends, vous savez quoi? J'ai utilisé l'autre affaire! Donnez-moi une seconde! Wouh! Ça, c'est ma grosse charge vers lui, ok, et ça. Attendez une seconde! Non! Tranquille! Ça, comme ça! Oh! Ok, non, ça c'est super génial. I like this. Ok, c'est pas le moment de... Vous savez quoi? On va utiliser la rage avant que je meure. Tout ce que je voulais là, c'est tester mes nouvelles attaques, voyons donc. Oh! Je l'ai... On a rien à longueur de journée, attends. Ma... Oh my god! Wow! Oh my god! Non! Ok, qu'est-ce que je fais? Bah! Ce doute-là, là... Je peux me régénérer. J'ai vu l'affaire pour me régénérer, mais... Bladette, tombe, man! Ouh! Je suis sûr que je peux le tuer. Come on. Oh, mon Dieu! Yo, si je me fais avoir par ça, là, je vais sauter par là. Vous avez vu, il voulait faire des esquives de fou. Il m'a fait peur pendant un instant, le doute, man. Oh, my God! J'ai chaud, et pas à peu près. On y est presque. Mon frère, un mot? Ne reproche pas au petit sa curiosité. C'est normal, à son âge. À son âge, j'apprenais la discipline. Est-ce là tout ce que tu souhaites pour lui? Il finira par suivre sa propre voie, mon frère. Si tu ne veux pas qu'il s'éloigne de toi, fais un effort et marche un temps à ses côtés. Mon frère, tu as dit au moins. À ouvrir un passage jusqu'à Svartalfheim. Je suis
suis sûr qu'on y trouverait toutes sortes d'équipements pour... Assez. Nous irons. Vraiment ? Mais si nous ne trouvons pas Tyr, tu abandonneras ta quête. Pour de bon. D'accord. Tu ne le regretteras pas. Oh my god, il est content. Et ouais, le petit Mimir, là, il a dit au moins 70 mots, hein ? Pas un mot. Ah, le petit menteur. Par ici. Hey, je t'ai entendu, frère. Oh, tu vas améliorer mes équipements ? Oh, en chair et en os ? Est-ce bien Atreus ? Cela faisait longtemps. Ce que tu as grandi. Oui. Lars, si vous voulez bien me suivre. Brock a laissé entendre que vous aviez besoin d'un endroit sûr où passer la nuit. Et je crois que vos nains préférés pourront vous aider. Ah ouais ? Ils sont toujours vos nains préférés, n'est-ce pas ? On n'en connaît toujours pas d'autres. Ça me suffit. Ah ! Après vous, chers amis. Merci, merci ! On va se téléporter ! Survivre à Fimb ! Vers la cabane la plus propre de tous les 9 royaumes. Et j'aimerais autant qu'elle le reste. Je ne vise personne. À tous. Après l'incident avec Thor, nous vous avons préparé des chambres. Le temps pour vous de réfléchir à la suite. Nous y sommes presque. Oh wow! T'es bien gentil de m'offrir une chambre d'hôtel. J'espère que ça va être super confortable parce qu'il y a du service. Vous voyez, quand vous m'amenez la bouffe et tout. Voir, nous nous sommes installés dans le monde entre les royaumes. Ce n'est pas grand-chose, mais nous y sommes à l'abri de Fimbulwetter et du regard d'Oda. Et vous apprécierez la vue imprenable sur la grisaille vide et chatoyante. C'est incroyable, Sindri. Il faut qu'on te parle de notre plan, d'ailleurs. Oh, intéressant. Quel plan ? Entrez ! Entrez ! Non, non, non ! Dis-le pas au nez ! Voulez-vous bien essuyer vos pieds avec précaution ? Je vous attends. Tu n'essuieras pas tes pieds, n'est-ce pas ? Bon, très bien. Vos chambres sont par là, et la cuisine est de ce côté. Quelqu'un veut une collation ? Kratos, une collation ? Je n'ai pas besoin de collation. Mais on a besoin... Que tu nous aides à rejoindre Svartalfheim pour qu'on puisse sauver Tyr. Tyr ? Il est vivant ? Enfin, je veux dire... Quoi ? Ne t'inquiète pas. Je lui ai tout raconté. Vraiment tout ? Tu as aidé mon fils à me désobéir. Non ! J'ai gardé un œil sur lui. À ta place. Rien de risqué. La sécurité avant tout. Vas-y, c'est à toi de parler. L'important, pour le moment, c'est d'essayer de rouvrir le passage entre les royaumes. Tu dis connaître un moyen ? Oui, oui, c'est vrai, c'est que... C'est juste que... Il y a beaucoup de boue. Alors, pourquoi le passage n'est-il toujours pas ouvert ? Pour être honnête, nous avions besoin de ton aide pour une certaine chose. Oh ! Les frères Huld ont enfin besoin du secours de l'homme le plus intelligent qui soit. C'est exactement ça. Hey ! Pas si vite ! Comment c'est arrivé là, ça ? Et qu'est-ce que c'est au juste ? C'est mon fils. Par les terres de Yarnsmida, que lui est-il arrivé ? Il est beaucoup trop grand ! Et il ressemble à... ça ! C'est de ta faute ! Bon, venez, qu'on lui trouve au moins quelque chose à sa taille. Il ne fait que grandir, espèce de crétin. N'as-tu jamais eu de moment gênant dans ta propre jeunesse ? Eh ! Bah, ce qui est fait, est fait. Oh, mais il est temps que tu tapes du poing sur la table, si tu veux, mon avis. Oh, il essaie. Tu peux me croire. Très bien. Tâchons de vous équiper avant que vous repartiez en balade. Moi, je l'aime bien, la vie d'Atreus. Commence par ça. Il est en sale état. Tu préfères pas que je t'en fasse un nouveau ? Celui-ci compte à mes yeux. Bon, je vais voir ce que je peux faire. En attendant, est-ce que vous auriez besoin d'une bricole en plus ? Oh, oh, oh ! Bienvenue dans l'atelier des frères Huldre, fabriquer et améliorer des armures, accessoires, désolé, accessoires d'armes et autres objets avec des ressources collectées. Parcourez les différents services de l'atelier grâce à la barre de navigation en bas de l'écran. Donc, bouclier disponible. Brock a assez de matériaux pour forger un nouveau bouclier. Appuyez sur 1 pour accéder au menu bouclier. D'accord, donc on va aller dans la section bouclier. Ici, tôt. Pour en faire qu'un seul pour le moment. Un seul, ah, ok, alright. Donc, ce que je veux... Ce que je peux faire. Oh,
Attendez, c'est quoi ça? Un bouclier récompensant les parades risquées. J'étais en train de regarder la vidéo là, mais c'est nice. Un bouclier idéal pour absorber les attaques et riposter. Est-ce que je vais prendre le truc avec les parades? Vous savez quoi? Why not? Des fois, je le fais, n'est-ce pas? Donc, bouclier façonné pour un guerrier focalisé sur les intentions de son adversaire. Déconseillé au plus timoré. Tu l'as dit, Buffy. Donc, c'est équipé, no problemo, amigo. Et là, j'ai plus rien pour faire autre chose, malheureusement. Donc, appuie sur L2 ou R2 pour accéder à l'onglet armure. Brock va fabriquer une armure sur mesure pour Atreus. Appuyez sur T pour accéder à l'armure du compagnon. Ok, armure du compagnon, juste là. Continue de grandir comme ça. Va falloir passer me voir plus souvent pour lui trouver de nouvelles choses. Ah, non, non, non. Les éléments qui peuvent être fabriqués sont signalés par une icône de marteau. Fabriquez la nouvelle armure d'Atreus. Ok, donc, let's go! C'est vrai qu'il est nice comme ça. Une armure confectionnée avec soin par les légendaires frères Uldre, l'une de leurs plus belles œuvres. Tu l'as dit, Buffy. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Objets spéciaux, vendre? Moi, là, je vends jamais mes objets, je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais ici, là, améliorable, ok, je vais l'améliorer. Elle a besoin d'un peu d'amour de Tonton Brock. Tonton Brock! Ok, il n'y a plus rien à faire ici. La hache Léviathan, là, il y a assez à améliorer, mais je peux pas améliorer les lames du chaos parce que... Ah! Parce que, ici, ah, ça marche pas, parce que j'ai pas assez de trucs, on dirait bien. Il me faut flamme du chaos que je n'ai pas pogné. Ok, alright! J'ai trouvé des trucs que t'as laissé traîner. Tout est dans le coffre. Oh, pour vrai? Tu deviendrais sans moi. Je vais explorer les lieux, visiter ma chambre. Préviens Sindri quand tu es prêt. Alors moi, je vais pas refermer le coffre, hein. Attendez, faire forger rune brisée. J'ai pas eu quoi que ce soit pour le lame du chaos, hein. Je vais voir ça vite fait, bien fait. Qu'est-ce que ce sera? Ah, pas d'amélioration possible, malheureusement. Ok, on y va, les potos, on n'a pas le temps de niaiser. Moi, je vais pas refermer le coffre. Oh, il faut aller ici. Viens voir. Est-ce que tout est à votre goût? Atreus, viens ici tout de suite. Comment déverrouiller les royaumes? On doit récupérer quelque chose à l'atelier. Suivez-moi, et n'oubliez pas la tête. T'en fais pas, comment je peux l'oublier s'il est attaché à moi? Exactement. Dans une mine, quelque part. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Je vois. Le royaume est rempli de mines, tu sais. Il va falloir réduire la zone de recherche. Oh! Vous devriez aller voir Durlin. Qui est Durlin? Un cousin, en quelque sorte. Il travaille à la sécurité de la ville. Il devrait posséder quelques informations à propos des mines. Et il ne porte pas Odin dans son cœur. C'est d'ailleurs pour ça que ta mère est allée le voir quand elle a tenté d'organiser une révolte. Tu es prêt? Une révolte? Tu étais au courant? Non, je l'ignorais. Un chef rebelle qui connaît ses mères. On n'aurait pas pu rêver mieux. Vous n'avez pas fait attention au... Tada! Bon, peu importe. Je m'occupe d'huiler tout ça. Faites ta job! Dehors, devant l'accès mystique. Ok, devant l'accès mystique. Durlin? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme un riz? Hein? Et toi? Tu te souviens vraiment que de ce qui t'arrange, pas vrai? Tu te figures sans doute que Durlin sera ravi de voir débouler ces deux énergumènes qui puent les problèmes à plein nez? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Brock? Nous aidera-t-il, oui ou non? Bon, peu importe. On ne pourra pas dire du vieux Brock qu'il jabote dans le dos de ses associés. C'est ça? Se freluquer, peut-être. Je ne t'écoute pas. Très bien. Allez voir Durlin, si ça peut vous faire plaisir. Vous m'en direz des nouvelles. Mais ça va vous changer de la cordialité à laquelle on vous a habitué. C'est un vieux grincheux, et on comprend jamais rien à ce qu'il jacte. Oh boy! Le contraste s'annonce déroutant, en effet. Ça va bien cette affaire-là, oui? Et yo, je suis allé voir la chambre d'Atreus parce qu'il était comme... Hé! Regarde ça, papa! Je vois rien d'intéressant, c'est juste une chambre. Mais bon, en tout cas, let's go, on y va! Il ne manque plus que le Bifrost et la tête. Brock, c'est toi qui t'en occupe. Arrivons-nous à la partie où mon aide est requise? Tout juste. Cet appareil a été conçu spécifiquement d'après tes mesures. Grâce à lui, toi et tes yeux de Bifrost, vous aurez une meilleure vue du problème. D'accord. Et dois-je essayer de contrôler cette chose? Oh non. Non, 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 non. Ceci te maintient en place pendant qu'on te met cette lumière dans les yeux. Ah, Sindri, espèce de foutu d'abo! Ah! Ha ha ha!
Allez, on ouvre les yeux. Oh, moi qui espérais ne pas avoir besoin des pinces à paupières. Vas-y. Continue, continue. Bien, libère tout. C'est toujours désagréable. C'est le moment, allez, on se dépêche. J'arrive, j'arrive. Par les œufs de Rasvelger, à quoi sert tout ça? Tu le sauras bien assez tôt. Il ne reste qu'à régler. Voilà, ça devrait être bon. Tu vois? Pas de dégâts permanents. Ah, tu veux des dégâts permanents, salopio? Kratos, lance-moi, l'écran en avant. Oh, allons, on peut plus plaisanter, vieux bouc. Ok, bienvenue chez l'optométriste, hein. Oh là 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 là, ça c'est quelque chose. Ok, je reprends la tête. C'est bon, récupérer Mimir et passer à Svartalahan. J'arrive pas à dire ça, mais... Le Bifrost est cassé. Maintenant que nous avons reconfiguré les accès pour utiliser des graines d'Yggdrasil, plus besoin de table de passage, ni de lampe à Bifrost. Je n'ai plus de lampe tout court. Je vois, c'est noté. Je trouverai une solution. Mais d'abord, approche, je vais t'expliquer comment ça marche. On ouvre la porte et la tête, non? Ah, je sais, il faut que j'utilise mon marteau. Ta 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 ta. Ou mon pic. Ah non, ok, ok. Bien. Pointe ta clé sur la rune de Svartalfheim, à droite. Svartalfheim. Concentre-toi. Ok, je me concentre. Comme ça. D'accord. Appuyez sur X lorsque vous survolez l'accès mystique des zones humides pour vous rendre à Svartalfheim. Oh my god, c'est quoi cette affaire-là de Svartalfheim? Ok, donc, attendez. Comment on fait ça exactement? Comme ça? Voilà. Je suis en train de regarder la map, on dirait bien, hein? Cela vous mènera jusqu'aux zones humides qui bordent la cité de Nissavellir. Trouvez la place centrale et demandez Durlin à la taverne. Ils le reconnaîtront à la taverne? Durlin a toujours été un ivrogne invétéré. J'imagine qu'il a fait changer, mais si j'en crois à mon expérience... Tu veux nous accompagner? Oh, je passerai peut-être. Mais les zones humides sont... humides. Et elles grouillent de morne, des créatures violentes, gluantes et nauséabondes. Bonne chance! Merci! Attends, quoi? J'ai dit bonne chance! Ce mec-là, il aime pas la saleté! Allez, on y va! Donc, la voix, en quête de tir, commencez! Vous sentez ça? Quoi donc, petit? Tout et partout. C'est chaud. Ouais, lui, il a juste connu l'hiver, on dirait bien, hein? Oh, bienvenue si au Québec, frère. Si j'arrive à ce bateau, on devrait pouvoir l'utiliser. Quel bateau? Attention, petit. Waouh, j'ai même pas remarqué ça. Moi, j'étais en train de remarquer... Wow! Mais putain! Yo, je vais les poigner! Attends, on va faire du barbecue aujourd'hui! Regardez, tu veux pas manger de barbecue, Adrice? Yo, ce gars-là, il m'a fait mal. Attends, lui, là... Voilà, je vais te couper en deux morceaux. Voilà. Attends, c'est pas terminé. Barbecue. Attends, oh, pourquoi il s'est terminé, guys? Barbecue. Oh, bah, j'ai hâte de manger ce soir, oui. Attends. Bah. Derrière toi, non. Next. Atreus. Yo, je voulais pas pogner Atreus et ces bonhommes-là! Oh, ils abusent, ils sont en train de bouger comme des fous, man! Oh, oh. Bien, les choses n'ont pas tardé à s'animer. Atreus, tu as baissé ta garde. Et j'ai décoincé le bateau. T'aurais pu te faire manger aussi, frère! Je n'arrive pas à croire que Mère a mené une rébellion ici. Contre Odin! Et qu'elle n'en a jamais parlé. Le fait que ça ait mal tourné a peut-être un rapport. Bah. Ce que ta mère a fait avant notre rencontre la regarde. Tu lui as déjà demandé? Surveille l'eau. Tu y trouveras des ressources. Ah! C'est comme ça que tu évites de parler du passé, c'est ça, Kratos, man? Alright. Cuir bleu, élément de fabrication. Si tu n'as jamais demandé à mère ce qu'elle avait fait avant, pourquoi lui as-tu parlé quand tu l'as connu? Est-ce que tu lui as juste dit « Femme, garde la maison. Je vais pêcher le poisson dans la rivière. » Avant de disparaître pour son jour. Ah! Ta mère était bien meilleure pêcheuse que moi. Ah, waouh. Ah, tu continues à joker avec lui. Avant, là, t'étais pas comme ça, mon frère, hein? Très dit. Cette roue bloque le canal. Si tu peux la faire tourner, nous devrions pouvoir passer. Alors, c'est ça, une zone humide, hein? Ça porte bien son nom. C'est un marais.
All right. Donc... Cette odeur me pique les yeux. C'est vrai. Maintenant que j'y pense, elle est nettement plus puissante qu'à mon dernier passage. Ah. Le chemin continue derrière ce geyser. Ouais, mais il faut que je trouve quelque chose pour bloquer ce geyser. Et puis, il n'y a pas de rocher nulle part. Si seulement on était à Midgard, cette eau gèlerait en un rien de temps. À moins que... Non, 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 il n'y a rien à faire là-bas. Ok, les amis, est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que ça, c'est la partie... Frère, penses-tu qu'on puisse le geler? Geler? Oh my god, c'est vrai! Pourquoi j'ai pas pensé à ça, bro? Oh mon dieu, Jésus! Ok, on y va. Oh wow, il est en train de mener l'enquête, lui. Oh my god! J'étais un ami des géants. Je me demande si Mère l'a rencontré. S'il a pris part à la rébellion. C'est tout à fait possible. Le dieu de la guerre prenait souvent le parti des géants. Mais je ne sais plus s'il leur avait clairement prêté allégeance. Il y avait un autre geyser que je pouvais geler et j'ai pas fait ça, les amis. Attends. Oh, putain. Ok, attendez. Mangez, je vais faire ça. Je vais vous montrer que je suis surpuissant. Yes! Ok, attendez. Hold on. Voilà. Ah non, 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 je peux plus rien faire, malheureusement. Bah, bah. J'ai pas pu... Hello? Il est en train de nager, là? Oh my god, il est en train de nager. C'est quoi qui va revenir me tuer? No way. Bah, il vous en va. Mon petit actrice, il essaie de l'avoir, là, mais le dude, là, il est de l'autre côté. Ok, vous savez quoi? Moi, je m'en vais, man. J'ai pas le temps de niaiser avec lui. Ici. Voilà, je sais même pas où je me dirige pour être avec vous, là, mais bon. Ici. Je suis en train de revenir en arrière en fin de compte. Ouais, j'ai juste tourné en rond. Ça va bien, mon affaire. Allez là. Oh! Je peux même pas utiliser la chaîne parce que je suis en combat! Vous n'êtes pas Oh my god! Ok, yo. Atreus? Est-ce que... T'es capable de toucher le dude? Ok, ça va bien, mon affaire. Est-ce que je peux aller... attendez, il faut que je trouve un moyen d'y aller, là, mais... Guys? Comment je fais ça? Oh my god, j'aurais jamais dû faire ça! Attends, peut-être par là? Guys! Vous savez quoi? J'ai une idée! Reprendre au point de contrôle. Je n'ai vraiment pas le choix. Le truc, c'est que je m'attendais pas à ça, là! Le dude est bugué derrière, man! C'est vraiment dommage! Mais il sait pas qu'il est bugué, mais c'est plutôt que je ne peux pas le tuer. Alors, je suis obligé de faire ça. Bon, je vais pas utiliser la rage. Non, je peux utiliser la rage. Ouais, je peux l'utiliser. Mais je dois faire super méga ultra attention. Attendez, tranquille. Il faut que je le tue. Yeah, là, il est dead. Ok, ok, nice. D'habitude, quand c'est le bonhomme, ils sont plus sur le terrain, là, ils sont dead. Vous voyez ce que je veux dire? Oh my god! Méchant! Yo, j'ai pas envie de les faire envoler comme ça, man. Non. Il va faire une autre attaque. Attends. Oh! Oh! Tranquille. Oh yo, j'ai presque vu que tu allais m'attaquer. Voilà, maintenant ça marche et maintenant je peux monter. Ah ok, non. Bouclier intrépide, appuyez sur L1 au dernier moment pour parer une attaque et étendir. Ah ok, il y a d'autres bonhommes qui viennent. Est-ce que je peux te geler, frère? Oh my god! Attends, laisse-moi geler un doute, man. Oh! Ah voilà, et maintenant je peux attaquer les autres. Tranquille. Oh, oh, oh. La parade a été réussie. Non, pas dans l'eau. Ok, non, 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 il est correct, on dirait bien. Wow. Hey, je suis supposé l'avoir, attendez, une seconde. Get over here. Wow. Les juggles sont insane, man. Sur ta gauche. Oh, je l'ai eu, avant qu'il m'ait eu. Tranquille. Oh non, 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 attendez. Moi là, j'adore geler des petits pépitons comme ça pour qu'ils me laissent tranquille. Voilà. Barbecue! Oh, attendez. Ce que je peux faire là? Yo, Atreus, vous avez ça? Il est crazy, hein? Attendez. Et ensuite, viens ici. Ah. Je croyais que je pouvais le faire. Il en reste 15. Ok. Bah! Bonne nuit, frérot, oui! Wouh! Tu l'as dit, Bouffy. Et maintenant, je peux aller là. Bon. Tout ça à cause d'un ennemi bugué. Mais bon, on l'a eu. C'est tout ce qu'ils connaissent pas.
Hé là ! Prévenez ce bon Mimir s'il doit soudainement se retrouver la tête dans la lune. Le sol. Un tremblement de terre ? C'est un phénomène rare, mais pas inédit à Zarkasai. Avec toutes ces galeries qu'on y creuse, la terre finit par se montrer instable. On a réussi notre coup, mais non, on peut continuer. Oh, je vois un coffre. Ah ! Vu qu'il fait si chaud, ce n'est peut-être pas que le froid n'est pas encore arrivé, mais... C'est seulement différent à Svartalfheim. Tu as raison. Fimbulvetr ne touche pas tous les royaumes de la même manière. C'est bizarre. En fait, le grand hiver n'est pas toujours... l'hiver. Ami garde, il l'est. Mais comme tu peux le voir, ces effets ici semblent de nature plus gazeuse. Prends les geysers ou les senteurs dont on parlait. Tout cela était déjà présent dans une certaine mesure, mais a atteint de nouveaux extrêmes. Waouh! Tout à l'heure, j'avais vu un coffre, mais il faut aller chercher trois symboles et puis les taper afin de débloquer ce coffre qui donne de l'argent ou des trucs pas trop intéressants pour être honnête avec vous, alors je suis pas allé chercher ça. Yo, attendez! Oh, pourquoi tu penses que tu m'aimes, bro? Et c'était mon frère, man! Attends, ah, hold on! Attention à gauche! Oh! Ouais, je l'ai vu à la dernière seconde. Ok, attendez une seconde. Oh! C'est vrai, ma hache! Je l'avais même pas récupérée! À gauche, mon frère! Ne t'en fais pas, I got you, man! Je vois tous! Ouh! Je vois tous ces signes! Oh my god, yo, je dois les juggle! Comme ça, ils m'attaquent pas, man! Ces bonhommes sont crazy, man! Bah! J'adore tellement utiliser cette attaque, man! Wouh! Voilà, Pépito! Et maintenant, je change ce Pomer! C'était pas la meilleure des idées pour être honnête avec vous. Mais c'est pas grave. Attends. Wow! Oh! Ok, attendez, tranquille. Barbecue! Bonne nuit, frérot. Non! Oh! Yo! Il y a tellement de bonhommes par-ci par. Attends! Utilise les flèches! Aide-moi, Pépito! Attention à gauche. Oh, merci Atreus, il m'a sauvé la vie, oui. Oh my god. Attends, Atreus, attaque. Viens ici, je vais te barbecue, frère. Ah, j'essaie de faire ce combat à longueur de journée, parce que... Wouh. Vous savez quoi? Attendez une seconde, lui là, je vais le faire souffrir. Et ensuite, attendez. Non, 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 non. Attendez, voilà. Oh, oh, tu continues à être gelé comme ça? Je croyais que t'allais plus être gelé. Ok, ok, alright. Et non, 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 bien, 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 bien. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Les amis, hello. Est-ce que je peux. Vous savez quoi? Il faut que je m'en aille et que je fasse un petit tour. Ma bad, ça c'était totalement non intentionnel, man. Alright, c'est bon, on y va. Ouh! Boucher, c'est geyser. Et ensuite, je dois le geler. Il faudrait qu'on fasse tourner cette roue. Mais il n'y a pas assez d'eau. T'inquiète, t'inquiète. Oh, oh! Non! Atreus! J'ai besoin de toi, frérot! Oh! Oh! Attends, Atreus? Yes! Exactement ce que je voulais! Je savais pas si ça allait marcher, j'avais tellement peur. Atreus, Atreus? Wouh! Bonne nuit, Pepito! Il y en a partout. Tu l'as dit, mon frère, oh oui. Et là, pourquoi je suis redescendu? C'était pas la meilleure des idées, je pense, hein. Ok, attendez une seconde. Oh, yeah! Très bien. On a gelé un de ces geysers. En a-t-il un autre ailleurs? Ouais, c'est ce qu'on va aller voir. Parce que là, je suis sûr à 100%. Attendez une seconde. Y a plus rien? That's it? D'accord. On dirait qu'il manque de quoi. Je sais même pas pourquoi j'ai gelé ça. Attendez. Là, c'est pas comme si la roue il tourne ou quelque chose, hein? Et est-ce que ce geyser là-haut, il est plus fort? Ce geyser là-haut? Oh, ça fait tourner cette roue! Le geyser, les autres ont dû monter en pression. Ok. Non, je suis pas sûr. Et là, je peux pas.
Ok, là, je peux aller là. Tout à l'heure, je pouvais pas. Attendez. Qu'est-ce que je fais? Et on prend un peu d'altitude. On aura peut-être une meilleure vue. Là, je comprends ce qu'il faut faire. Ouais, ça, c'est la partie posante du jeu, là, mais... ça va changer quelque chose si je fais ça, pour vrai? Ah! La roue tourne, la porte descend. L'ingéniosité naine. Si les nains de ce royaume sont comme Brock et Sindri, je doute qu'ils soient du côté d'Odin. Vois-tu, bien trop souvent, l'on ne perçoit que son intérêt personnel immédiat. Odin leur offrait la sûreté, et le défier comporte des risques. Peut-être attendent-ils seulement que des dieux viennent les aider à l'affronter. Atreus, ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Je disais ça pour rire. La guerre n'est pas drôle. Surtout lorsque des dieux s'en mêlent. Ouais, il a pas connu ça, le petit Atreus. J'avais même pas vu le deuxième geyser. Il semble que tu cherches à enrôler Tyr comme allié dans une guerre. Je veux juste... Je préfère n'écarter aucune piste. Okay. Continuons, d'accord? Je suis content d'être là, d'explorer un nouveau royaume. Peut-être devrait-on profiter de la chaleur. Ah, c'est vrai, t'as pas vraiment connu ça, toi, hein? Il va falloir ouvrir cette porte si on veut accéder à Nissavellir. Ok, mais là, où est-ce que je peux aller mettre mon bateau quelque part? Parce que je ne vois pas d'Andorra. Ah, fallait juste avancer un tout petit peu plus, ma bad. Oh, 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 je suis en train de manger ma hache! Nice! Brother. Il va trop vite! Alors comment l'attraper? Comme ça! Contourne, attaquons par derrière. Bien. Par derrière? Oh! Oh! Comme par magie, il me voit plus, c'est ça? T'as réussi! Voyons ce qu'elle a perdu. Beaucoup de trucs intéressants! Oh! J'ai vu quelque chose! Reste de bête, fer forgé! Et bon, il y a beaucoup d'éléments de fabrication qui ont brûlé, brisé, blablabla, ci, blablabla par là. Donc, comme ça, voilà. Ensuite, ceci. Ok. On est à la moitié. Il doit y avoir une autre chaîne pour finir d'abaisser la porte. Et t'en fais pas, Pépito, on va la trouver, l'autre chaîne. Ah, il est là. Mais comment je fais pour monter? Telle est la question. Vous tirez sur cette chaîne là-haut. Ok, voilà. Ok, je suis obligé de prendre le long chemin, on dirait bien. Blader, blader. S'il s'accroche au mur, on doit le faire tomber. Comme ça. Wouh. Tranquille, tranquille. Voilà, perfecto. Cible éliminée. Tu l'as dit, Poupie? Bah! Hey, hey! Oh, what? Oh, comment tu l'as remarqué, le dude là-bas? Oh my god, bro! Ouh! Yo, il m'a tellement déconcentré, le dude! Ok, comment je fais pour viser aussi mal que ça? Oh my god! Attends! Comme ça, tu ne peux pas m'attaquer, frère! Ah ah! C'est correct, hein? Y'a plus personne, je pense. Nope! Ok, comment je joue avec ça? Voilà. Ensuite, je prends ça. Je fais ça comme ça. Croyez-vous que je dois faire ça? Là, je reste ici. Ah, attendez. Ah, je peux pas aller là. Non, non, non. Je crois que je sais. Si tu gèles le geyser, la pression actionnera la roue. Ok, ok, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc... Si je... Attendez, si je fais ça comme ça, c'est pas bon du tout. Alors en gros, ce que je dois faire, c'est ceci et attendre que le truc vienne. Il y a le bloc qui descend. Ok, même si... Oh! Attendez une seconde. Voilà, par là. Et ensuite... Il y a autre chose à frapper. Autre chose à frapper. Pas ma connaissance, non? Parce que là... Ok, ouais, qu'est-ce qui se passe exactement? Attendez, attendez, hold up. On va aller ici. Tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc. Ah! Oh, je l'ai même pas remarqué, bro! Pas mal.
Je l'ai même pas remarqué. Tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc. Ouais, boss. Thank you, une chance que vous êtes là. Voilà, voilà, voilà. Ok. Est-ce que vous l'aviez remarqué? Parce que moi, j'avais pas remarqué ça, même. Peut-être que j'étais mal placé, parce que chaque fois que le bloc montait, descendait, j'étais c'est juste en dessous du bloc. C'est un poème de Gvasir, très élaboré. Tu devrais essayer de les collecter. Oh, wow. Oh, je suis pas un gros lecteur, moi. Je sais pas si je vais comprendre qu'est-ce qui se passe. Petit, j'ai une question. Espères-tu apprendre de tir exactement? Eh bien, comme je l'ai dit, j'espère qu'il pourra m'en dire plus sur Loki. Loki. Aussi, j'aimerais entendre ses histoires. Ses voyages sur d'autres terres, les géants et... peut-être comment c'était de combattre à cette époque. Juste pour l'histoire, évidemment. Mais... pour l'histoire. Espérons que Tyr soit d'humeur à parler après toutes ces années de captivité. Tous les prisonniers d'Odin ne sont en effet pas aussi loquaces que moi. Nous ignorons si Tyr est bien ici. C'est vrai. Il l'a dit, man. Bon ben, voyons voir qu'est-ce qu'il y a là. Il pourrait y en avoir d'autres? J'en doute. Mais ce genre de phénomène géologique est imprévisible. J'espère que ça va pas nous tomber si sur la tête. Si les geysers et l'odeur ici sont pires à cause de Fimbulwetter, peut-être que les tremblements de terre aussi? Ah, Atreus, devant toi. Oh, civilisation! Alors ça, c'est une cité. Bienvenue à Nissavelli, mes frères. Ah, ils ont peur de moi, hein? Ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? Hey, des nains! Oh boy! Oh. Ils s'enfuient? Je crois qu'ils ont peur de mes tatouages, vous voyez, là. Moi aussi, j'aurais peur de quelqu'un comme Kratos, mais... Pour faire sonner pareille alarme, il me faudrait retrouver mon corps et craindre d'en être à nouveau détaché. Oh! Oh, what? Ils ont peur. C'est bel et bien une alarme, je le crains. Pourquoi tout le monde se cache? Attention. Oh, oh, je la sens pas celle-là, les amis. Est-ce que je vais me battre contre des nains ou quoi? Mais moi, je veux pas me battre contre des nains! En passant, pour désolé, pour ceux qui ne savent pas, Loki, c'est le petit bonhomme devant moi, là. C'est son nom de géant. Bah, ouais. Hé, hey, est-ce qu'on peut vous parler de... N'attendons aucune aide de leur part. Mieux vaut chercher la taverne dont a parlé Sindri. Ok, ok, alright. C'est une statue d'Odin? Ils doivent vraiment bien l'aimer. Ou le craindre. Donc, il faut se promener partout, c'est ça? Sindri. Bonjour. Moi, je ne suis pas surpris. Je savais que vous seriez ici. Quelque chose pour vous. Qu'est-ce que j'ai oublié? Merci. Reste de bête. Ah ouais, pour vrai? Oh, my bad. J'ai tué des animaux, mais je les mange même pas. Je suis content d'être revenu ici au moins une fois avant le Ragnarok. Oh, si ces dalles pouvaient parler. Elles auraient des bouches. D'horribles bouches puantes. Tu permets que je jette un œil à ton arc? Pouf, il y a longtemps que t'aurais dû changer tout ça. Tirer parti de la sensibilité structurelle. Aouh! De certains matériaux aux vibrations sonores est quelque chose de, que je rêve de tester depuis un bon moment déjà. Merci d'essayer sur mon arc. Que vas-tu faire cette fois? Patience. Je trouve qu'il est mieux de voir ces choses de ses yeux. Oh. Voilà. Tire donc vers cette arche-là. Mais avant de décocher, dis... Scalfa. Scalfa. Maintenez L2 pour viser. Appuyez sur carré. Scalfa. Ah, je ne m'attendais pas à vous voir réveiller la moitié des affreux rampants de Nissabu. Comment aurais-je pu savoir qu'il serait là? On sait, man. Oh, bien. Attends. Méchant petit bonhomme, oui. Oh. Ah, j'aurais pas dû prendre ça. C'est si. Qu'est-ce que je dis là, man? Voilà. Bah.
Oh, tu crois que tu vas faire de quoi? Non, 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 Pépito. Ah! Ouh! On va bien manger ce soir, on dirait bien, vous avez ça? Maintenant, Durlin. Mon petit Durlin. Waouh! Sindri, tu sais où se trouve la taverne? Ai-je l'air d'avoir déjà mis les pieds dans une taverne crasseuse? Ces égouts que vous venez de découvrir me paraissent être une bonne piste. Suivez-la sans moi. Vous devriez pouvoir rejoindre l'autre côté de la ville. Tu y trouveras d'autres portes à cogner. Alright, c'est bon. Mais donnez-moi juste une seconde. Il faut que j'aille faire quelque chose. Bien, bien fait. Alright, les amis, je suis de retour. J'avais des responsabilités de papa. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va changer la difficulté. C'est pas parce que c'est difficile. C'est juste que je préfère avancer dans l'histoire plus rapidement. Alors, je vais prendre, je crois, le répit avant tout. Comme ça, on fait un peu de combat et on avance dans l'histoire rapidement. Après ça, parce que pourquoi faire quelque chose qui nous prend comme 30 minutes en une heure, vous voyez, comme... Non, 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 non. Comme ça, on avance rapidement dans l'histoire, on voit plus de contenu en moins de temps, c'est magnifique. Malgré des années d'absence, il n'y a rien ici qui m'ait jamais manqué. Voilà. Atreus, on y va. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais... Il semblerait que Nissa Velir soit verrouillée par notre faute. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Je soupçonne cette immense statue d'Odin d'y être pour quelque chose. Ben... Ici aussi, tout le monde se cache. L'emprise d'Odin sur ce royaume est profondément ancrée. Oh, 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 attendez une seconde. Aucun garde n'a fouillé. Ah, attends. Ils ont autant de vie que d'habitude. Je croyais qu'on allait avancer beaucoup plus rapidement dans l'histoire parce que... Ah, d'accord, ils ont autant de vie. Ah, ok, d'accord. Mais tu sais ce que... si je baisse la difficulté, ils auront moins de vie. Alors là, ça va être beaucoup plus facile d'avancer dans l'histoire, beaucoup plus rapide, mais on dirait que non, hein? Est-ce que je devrais remettre la difficulté à défi avant tout? Alors, vous savez quoi? On va garder ça comme ça. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Hello! Y a-t-il des gens ici? Guys? Y a personne qui veut répondre à Tonto Polo. Ça va bien s'en affaire, hein, Tonto Polo? Mais bon, allez, on y va. On dirait un artefact de la résistance des nains. Une bombe de feu de la militante en chef dans la rébellion de Durlin contre Odin. Très ingénieux, il risque à ce qu'il devrait certainement les récupérer. Ils seront mieux avec lui que perdus dans la nature. Tu l'as dit, Bouffi. Allez, on continue. Ouais, je vais garder la difficulté comme ça, comme ça. Peut-être que je peux avancer plus rapidement dans l'histoire, je sais pas, on verra, amen. Donc, où suis-je en train d'aller? Je sais même pas ce qui se passe, les brothers. Attends, non, 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 hold on, hold on, hold on. Je suis en train de revenir en arrière, là. Ok, je suis passé par-ci, par-là, et... Oh, y a-t-il quelque chose ici? Rien du tout, ça va super bien, mon affaire. Alors, où est-ce que je suis supposé aller? Là-bas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, c'est maintenant que tu vas faire toc toc toc, bro! Excusez-moi, mais nous on cherchons. On a rien pour vous. Quoi que vous cherchiez, pas de nourriture, ni de bonne parole, rien du tout. Égarpissez. Il veut rien savoir de nous. Ok, ça, ça va super bien, pour vrai. Si je peux passer de l'autre côté, imaginez que je peux. Non, y a rien à faire ici. Oh! Tiens. Oh! Ça m'a pris 10 ans pour trouver ce chemin! Vous n'êtes pas sérieux, guys! Oh boy! Ça, c'était bien caché, il faut l'avouer, n'est-ce pas? Ça pourrait être ça, non? On ne dirait pas une maison. S'il est là, il vaut sans doute mieux que vous laissiez parler. Toi! L'idée n'est pas de l'intimider. Tu es plus grand qu'un arbre et tu balades une tête coupée à ta ceinture. Il n'y a pas de mal. Mais il a raison. Ok, ok. On l'a, les amis. Je suis vraiment désolé d'avoir pris autant de temps. C'est lui. Ça m'a l'air d'être lui. Bonjour. Méfiez-vous. Apparemment, il y aura des intrus. Ah, c'est nous, je crois. Eh bien, si vous comptez me tuer, laissez-moi au moins finir cette chanson. Cette alarme avait pile la bonne tonalité. On cherche seulement un ami. Il s'appelle Durlin. Je sais que c'est pas possible. Durlin n'a plus d'amis. Mais si c'est ce que vous voulez... Passez par derrière, là, et vous verrez l'office de sûreté de l'autre côté de la rivière. Mais... tâchez d'éviter de nous causer des ennuis. I got you, boss. Et pendant que vous traversez le royaume, tâchez donc de réparer la pagaille de la tête. Quelle pagaille?
Plus tard, mon frère. Ah, ok, ok, ça c'est une quête annexe. C'est bon. Les quêtes annexes, là, on va les faire plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur l'histoire. Je sais que c'est ce que vous voulez voir. Pardon, une dernière chose. Remarquez, ce sont des cadeaux que je vous fais. Je ne devrais pas dire pardon et vous devriez dire merci. Enfin bref, tiens, et sois prudent. C'est magnifique. Merci, Sindri. C'est vrai que c'est beau, n'est-ce pas? Et très pratique aussi. Tu trouveras tout ce que ton cœur désire avec ça. Vraiment? Si ton cœur désire les lieux où ton père et toi avez décidé de vous rendre ensemble, alors oui. C'est une boussole. Ah, mais une magnifique boussole. Maintenant, filez. Pardon, j'ai une petite toux chronique alors. Je tousse souvent. Oh, boussole et carte. La boussole des nains et la carte peuvent vous guider vers des objectifs. Appuyez sur le côté gauche de la touche pavée, pardon, tactile, pour consulter la carte. Alors, attendez. Oh, voilà la carte! Elle est super belle, les amis! Haha! Ça, c'est tout ce que j'ai exploré depuis tout à l'heure. Ça, c'est super nice. Donc, marquez des lieux sur votre boussole en les survolant. Attends. Comme ça? Ah, et puis là, appuyez sur L3 pour centrer sur la position actuelle ou celle de blablabla, ok. Le panneau latéral affiche, nanana. Donc, ouais, je comprends. On me dit comment utiliser la carte en gros. Suivez les cônes dorés pour rester sur la voie. Il nous faut un bateau. Ou suivez des services des cônes bleus pour les impliquer à la boussole. Tout à l'heure, Sindri semblait dire que Durlin était une sorte de chef rebelle. N'ai pas l'impression qu'il soit très suivi. Était. C'est là toute la nuance, petit frère. Était. Il y a un édifice après ces rochers derrière moi. Devrions nous en approcher. Donnez-moi une seconde. Il y a juste un petit truc que je voudrais faire. C'est enlever le marqueur ici. Parce que je le vois sur ma boussole en haut au milieu de l'écran. Pourquoi les nains te détestent-ils? Ah, dans la baie, juste après ce tunnel, j'ai aidé à bâtir des tours de forage. C'est quoi ces tours? Une erreur que j'ai commise. Il y a de cela bien longtemps. Si tu as le temps, il faudrait les arrêter. Si j'ai le temps, bien sûr. Service au service d'Asgard. Commencez. Ah non, 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 non. J'apprécierais que nous nous occupions des tours de forage du lac à droite. On voit leur panache de fumée d'ici. Région secrète découverte. On n'a pas envie d'explorer pour l'instant. Durlin semble se trouver après cette porte ouverte, à gauche. Ouais, les quêtes secondaires, on va faire ça plus tard. Ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, l'histoire alors, principale. Où on va? On y va, let's go, les amis. Alors on va chez Durlin. Je comprends. On explorera les tours de forage plus tard. Oh, je me rappelle, quand tu étais jeune, tu voulais toujours explorer. Tu me disais toujours, viens papa, on va ici, on va là. C'est ça, l'office de sûreté? Eh bien, c'est ce que semble indiquer le panneau là-haut, qui menace dangereusement de se casser la figure. Qui veut se battre? Nous venons voir Durlin. Ça a l'air correct, hein? Est-ce que vous avez rendez-vous? Non. Quelqu'un a-t-il vraiment déjà pris rendez-vous? Tu viens chercher quelque chose, mon grand? Tu crois pouvoir me faire peur et me forcer à accepter la proposition d'Estrid en venant chez moi avec une tête coupée à la ceinture, hein? Nous recherchons un prisonnier d'Odin. Il est retenu dans une mine. Des amis nous ont dit que vous pourriez nous aider. Où as-tu trouvé? Tu l'as décapité avec ça, elle aussi? Faye était ma femme. Parle pas comme ça! Dinner et moi, nous nous demandions où elle était passée après notre petit coup d'état raté. Raté? Oui, tiens, regarde. Raté. Faye est morte. Tous les meilleurs le sont. Et les survivants doivent payer le prix.
J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider avec votre prisonnier. Mais il pourrait être utile pour arrêter Odin. Et pour chasser les as de Svartalfheim. Contrarier le père de tout ne fait plus partie de mes ambitions. Attendez, avant de partir. Prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Une amende. What? Violation des normes d'hygiène pour transport illicite d'une tête pourrie, deux blâmes pour vaine prononciation du nom du père de tout, et ah oui, pour avoir salopé mon bureau! Une amende? À payer quand vous voudrez, d'accord? Dégagez de mon office. Il croit que je vais payer, dude? Yo, y a pas peur de ma hache, de mes lames? Bonjour, toi. Quelle partie de dégager de mon office vous ne comprenez pas? Vous dites qu'elle s'appelle Dina? Oh, oui. Merci. J'imagine. Wow, ça c'était vraiment quelque chose, man. Quitter l'office de journée et rejoindre le port. C'est ce que je dois faire, ok, alright. Ça va, frère? Hey, mais ce n'est pas une amende. Le nain nous a donné une carte. Si on veut. Enfin, tu as senti l'odeur. Mais elle semble mener une mine derrière cette montagne. Ah. Tiens! Durlin nous a quand même aidés. Tout le monde ne se bat pas avec des haches et des flèches. Ben ouais, mais il peut pas avouer qu'il a fait de quoi, sinon là c'est la fin pour lui, on dirait bien. Oh oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut manger ceci? Ah! Boire la roisée de l'arbre monde a des bienfaits durables, pouvoir unique augmenter de 2 de façon permanente. Thank you, thank you! Et là, ouh! Yo les amis, je vois un coffre devant moi, je peux pas partir sans ça, hein? Oh yeah! This is mine! Je m'en fous des autres trésors! Ok, on y va, les potolino! Je savais déjà que j'étais sur le mauvais chemin, mais je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait ici. Parce que tu peux suivre la boussole à fond là, qui se retrouve au milieu de l'écran, et puis tu vas trouver le bon chemin direct. Alors, attendez, tu go? Voilà, il faut aller là-bas, et ensuite on tourne vers la gauche, et ça va être Tigui Dutto, amigo! Là, on dirait qu'on s'éloigne. Hé, hey, quoi? Attends, plus à d'un? Ok, par là. Ensuite, vers la gauche, c'est ça? Comme ça? Est-ce que je suis en train de m'éloigner? Encore avant de sauver Tyr. À toi de voir. Oh! Attendez une seconde! Oh, j'étais pas sur le mauvais chemin! Mais depuis tout à l'heure, on me dit que je suis sur le mauvais chemin, alors... j'ai cru qu'il fallait passer par là où je suis en ce moment, mais on dirait que non. Attendez. Je suis en train de suivre la boussole, là, et puis... il est en train de me troller, on dirait bien. Attends. Oh! C'est pour ça! En arrière de l'office! Moi qui croyais qu'il fallait utiliser le bateau! Ah, ok, ok, ok! Parce que... on ne fait que passer. Comme... oh, il y avait une porte ici! Ils ont dit dégager de là, alors j'ai utilisé l'entrée principale et j'ai vraiment dégagé de là, vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est bon, on y va! Ah ah! Ok? C'est s'accroche au mur! On doit le faire tomber! Yes, tu l'as dit, frère! Pépito, je veux dire. Non! Tranquille? Viens ici, frérot! Wouh! Non! Voilà! Aïe, aïe, aïe! Yo, arrêtez de me clasher dessus, frère! Il est là, il va tomber! Ah! Oh non, non, j'étais en train de regarder notre bonhomme en train de tomber! C'est tellement drôle! Oh, come on, come on! Ok, attendez! Y a-t-il des trucs pour me régénérer les vies quelque part? Non, y a des trucs ici là qui peuvent me détruire en fait quoi. Mais bon, allez, il faut que j'utilise ceci. Je n'ai pas le choix. Allez, Atrus. Perfecto. Là, je peux me régénérer avec ça. Si je peux faire ça. Attention à droite. Oh! Attends, regardez. Oh! 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 Oh, je l'ai eu! Je l'ai avant de tomber, nice!
Je dois toujours faire ça pour les empêcher de m'attaquer, mec. Attention! Ne t'en fais pas, frère. Je l'ai vu. Bah! Voilà. Non! Je voulais l'éliminer avant qu'il vienne de quoi qu'il se passe. Barbecue! Didou? Oh, what? Ok, yo, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Oh my god. Tranquille. Yo, brother. Voilà. Non. Non. Oh, aïe, 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 il faut pas tomber comme ça, bro. Je vais pas faire one on one. Non, attends, tranquille, tranquille. Je vais revenir en haut parce que là, je suis en train de me faire détruire. Est-ce que j'ai vraiment... Est-ce que j'ai vraiment baissé la difficulté? Parce que là, on dirait que c'est aussi dur qu'auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que ça n'a pas marché, mais... Waouh, ok. Je me suis bien fait détruire. C'est nice. Je ne vais pas recommencer ce combat, les amis. Attendez une seconde, je suis encore en mode défi. What the hell? J'avais choisi le replay avant tout, non? Qu'est-ce qui se passe? Modifiez la difficulté. Vos frères commencer depuis le dernier point de contrôle. Voulez-vous vraiment changer le niveau de difficulté? Confirmé? Ben oui! Ok, alors j'étais dans le même niveau de difficulté que tout à l'heure, c'est pour ça que ça n'a pas changé. Ok, j'ai compris. Alors là, on va voir si ça marche, parce que là, tout à l'heure, ça n'a pas marché. Le défi avant tout? On est encore en mode défi? Ça... Ok, alors on est vraiment en mode défi depuis le début. Ok, bon, on va continuer comme ça, ma bad, les amis. Alors là, le truc, c'est que dans ma tête, c'est... On doit le faire tomber. Oui, ok, d'accord. Dans ma tête, j'étais comme, hey, on est en mode répit avant tout. Ça va être hyper facile, j'ai pas besoin de me forcer. On dirait que non, on est vraiment en mode défi depuis le début. Oh boy, my bad, man. Je me suis, on va dire, un petit peu trop relaxé, si je peux dire ça comme ça. Kill. Viens ici, frère. Voilà. Non. Oh my god, bro. Voilà. Ah ok, je suis en train de me faire avoir à longueur de journée par leur crachat de fou. Bah! Tranquille. Perfecto. Alors n'oubliez pas les amis, on n'est pas en mode facile, on est en mode difficile. Voyez. Non. Oh. Non. Ouh. Yo, j'ai pas envie de me faire clasher dessus à longueur de journée. Let's go. Voilà. Atreus. Voilà. Sur ta gauche. Non. Yo, ces gars-là, là, sont tellement résistants. Oh my Jesus. Et en plus, il y a même pas de truc pour me régénérer. Voilà. Perfecto. Il y a un coffre ici. Je peux pas aller chercher tout de suite. Tranquille. Voilà. Oh. Yo, j'ai vu de loin quelqu'un m'a clashé dessus. On va payer le doute qui nous clash dessus à longueur de journée, man. Qui est ici? Voilà. Quelqu'un va m'attaquer, je le vois là. Il est sur le point de m'attaquer. Bah. Oh my god, derrière moi. Encore? Oh, il y a plus de choses ici. Faut se régénérer. Bah. Perfecto. Cette fois-ci là, je vais pas sous-estimer mes ennemis parce que je sais vraiment qu'on joue en mode défi. Oh non. Bah. Tranquille. Bah. Yo, je vais juste mon barbecue, MS. Bah. Voilà. Moi, j'aime ça utiliser ma hache pour les empêcher de bouger, man. Bah. Oh, je croyais que je l'avais eu, man. Regardez. Oh, t'es fait trop loin. Oh. Bah. Je m'en passe combien. Bah. Non. Bah. Oh. Oh, ça c'est intense, oui. Oh, ça c'est vraiment crazy. Yo, brother. Voilà. Attends. Comme ça, je peux aller chercher ceci et ceci. Oh mon doux Jésus. Voilà, perfecto. Et attendez.
On dirait que ça va me faire mal à moi, pas aux ennemis. Mais bon, allez, on y va. Maintenant, on peut utiliser cette porte-là pour faire de quoi. Mais avant tout, le coffre, faut pas l'oublier, je l'avais vu. Voilà, Magic Camino. Et là, je crois que je dois vraiment le faire. Aller chercher des nouvelles compétences, man. Alors, les lames du chaos, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? Modificateur de compétences débloquées. Les marques de modification amplient un aspect d'une compétence sélectionnée, une compétence avec un emplacement de marque libre. Et appuyez sur X pour afficher. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Wow! OK! Plus de protection, plus de momentum, plus de dégâts. Vous le savez déjà, moi, je veux plus de dégâts. Et est-ce que je peux changer? Ah, oh, je peux pas changer dans le futur. Ah, ben oui, je peux. Ok, ok, je peux le faire. D'accord. En plus, ça n'utilise pas de points de compétence, on dirait bien. Donc, c'est quoi cette affaire de corps à corps? Lors d'un sprint, appuyez sur R1 avec les lames pour bondir vers un ennemi. Ok, ouais, moi, j'utilise souvent ça. Lors d'une esquive. Ah, l'affaire d'esquive. Ouais, d'accord. Esquive R1. Esquive par l'arrière avec R1. Oh! Explosion d'étincelle. Attendez, on va voir ça tout de suite. Je peux améliorer d'autres compétences là, mais je vais essayer quelque chose, regardez ça. Waouh, on dirait que je crache du feu, les amis. Oh boy, ok, attendez. Nice, j'adore ces attaques. Allez, on continue l'aventure, man. Very good. Attends, l'honneur, Atreus. Tu peux aller en avant. Cette chose peut nous faire gravir la montagne. On arrivera peut-être à voir une mine de là-haut. Ah, y a rien de tel qu'une balade en train de nain. Ok, au moins, je peux bien m'asseoir. Tranquille. Je sais pas ce qu'est le conducteur là, mais bon. Fait beau, hein, Adam? Voilà un nom que je n'aime pas entendre. C'est toi seul qui viens de le prononcer. Durlin! Il n'a pas eu à le dire, mon frère. Je l'ai lu sur son visage. Après tout, il l'a marqué au fer rouge, si je puis dire. Oh, il l'a marqué au fer rouge? Les rébellions ratées ont tendance à entraîner des châtiments aussi prompts que durables. Est-il un capitaine de Houdin? Oui, et le détenteur du Gyalaor. Un véritable zélote, s'il en est. Peu de choses sont aussi dangereuses chez un homme que l'absence de doute. Waouh! Ok. Quel poète! Un jour, je vais parler comme ça, moi aussi. Je crois qu'on est arrivé. Allons-y. Par ici. Je vois un autre wagon. On devrait trouver un moyen de l'atteindre. Ok, boss. Tu sais, peut-être que Tyr nous mettra à l'abri. On aurait dit qu'Odin ne voulait vraiment pas qu'on le trouve. Une fois Tyr libre et redevenu dieu de la guerre, Odin n'aura plus le temps de se soucier de nous. S'il désire mener cette guerre, il l'amènera. Ouais, tu l'as dit, Buffy. Tu crois qu'il a peur de nous, le dude? Ben non! Oh! Vous avez vu ce cadavre? Pardon, c'est ma toux. Faut que je boive de l'eau. Oh, c'est un Dreki? Qu'est-ce qui s'est passé? Fais attention. Je crois qu'il est mort. Oui, complètement mort. Est-ce qu'on peut le manger? Eh, je me demande si... Hey, attention! Fallait pas déranger son mari! Yo, ma... Ah, j'ai pris 10 ans à revenir! Attends. Sa queue! Attention! Oh my god! Attends. C'est quoi son point faible, selon vous? Wow! Oh my god, yo, je connais pas tes attaques, frère! Oh my Jesus! J'ai pas le choix! Oh là 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 là! Ah non, je peux pas oh là oh là aller, je fais juste des gros coups de poing qui font super mal. Mais je vais faire comme... Bah, 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 bah. Oh my Jesus Lord! Ok, attendez, c'est l'autre. Ah! Ok, attendez. Ah! Yo, toutes les compétences que je viens d'apprendre là, ça sert quasiment à rien. Wouh! Non! Oh, Pikachu! Oh! Non! Yo, c'est vrai, je veux le barbecue là, mais... Oh my god, attendez, on se promène un peu. Pour aller chercher des trucs pour se régénérer. Non! Il m'a mangé le dude! Oh non, 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 Pikachu, attaque! Attends, on se promène encore un peu. Oh!
Jusqu'à j'allais aller chercher le truc pour régénérer. Yo, un gros boss comme ça, et puis j'étais même pas à 100% de mes capacités. J'avais pas 100% de mes vies, alors. Ok, cette fois-ci, on va l'avoir. Ne vous en faites pas, regardez ça. Je n'ai pas peur, brother. Maintenant que je connais tes attaques. Oh! Je n'ai pas peur! Ok, voilà. Il va faire une attaque avec sa queue. Ha ha! Ouais, maintenant que j'ai des vies, que je connais ses attaques, je n'ai pas peur! Bah bah bah! Attends. Oh là oh là oh là oh là! Super long là, mais c'est correct. Vas-y, Star Platinum! Oh, Pikachu attaque! Bah. Oh my god! Wouh! Oh, oh, attendez, j'avais bloqué son attaque. Oh! Ouf! Attendez! Non! Ok, vous savez quoi? Le moment est venu de courir! Atrice! Aide-moi! Bah, maintenant que j'ai pas de vie, j'ai un petit peu peur de faire des parades. Attends, oh, j'allais le barbecue! Attends. Barbecue! Ok, j'aurais jamais dû niaiser comme ça. Ok, j'ai peur. J'ai un petit peu peur. Je vois des vies là-bas, mais il faut que je l'observe. J'ai appris ma leçon! Oh my god! Vas-y, Atlus, t'es capable? Come on! Bon, si je peux attaquer de loin, je n'ai pas peur! Allez! That's it! Let's go! On va! Oh! Ensemble! Je suis fier de toi, fiston! Sois sur tes gardes. Il faut y en avoir d'autres. Dent de dragon, ressources unies, plus 4. T'aurais pas pu en prendre plus? Ce Dreki qui aurait tué le premier qu'on a trouvé? Si c'est le cas, leur agressivité aura causé leur perte à tous les deux. Attaque runique rapide. Insérez votre nouvelle gemme runique dans les lames du chaos pour avoir accès à une puissante attaque runique. Enfin, j'ai quelque chose. Voilà, je vais l'utiliser après, ne vous en faites pas. Oh là 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 là. Ça, c'est crazy ce qui s'est passé. Et puis, le corps de l'autre dude, il est parti où? Comme pas du doute que j'ai tué, mais de l'autre doute. Mais bon, allez, on y va. On s'en va d'ici. Il n'y a pas de trésor à aller chercher, hein? Oh, ça c'est quelque chose, man. Ce boss-là, là, il était crazy, pour vrai. Là. Je sais même pas... Oh! Je sais même pas pourquoi je fais ça, là, mais bon. Désamorcé, mais oui. Elle appartient sans doute à Barry le Nain, bâtisseur de la grande halle Lyr. Ah ah, intéressant. Alors là, je suis supposé aller où? Maintenant que... Ah, ok. Ça, il faut trouver 3 symboles, les taper comme rapido presto. attendez une seconde. On a sûrement besoin d'équipement spécial pour utiliser ça. Ah, je peux même pas le faire. Ça va bien, mon affaire, oui. Ok, en tout cas, il faut que j'aille où pour vrai? Maintenant que j'ai tué ce bonhomme... j'ai vraiment aucune idée pour être honnête avec vous, hein? Tranquille. Si Atrice reste là-bas, ça veut dire... Oh, tu veux qu'on revienne? Mais on était là tout à l'heure, et puis depuis tout à l'heure, on dirait que tu voulais sortir de là, on dirait que tu voulais partir, frère. Ok, tu veux aller là-bas? Je suis parti d'ici, là. Je suis parti là-bas, là, pour revenir en arrière, parce que je voyais Atrice, il restait à côté. De l'endroit, il était comme « Je veux partir !» Enfin, il faut aller là. Ok, je croyais que le dragon, ben plutôt le lézard, je sais même pas c'est quoi. J'aperçois une mine. C'est sûrement celle dont Durlin parlait. Il y a des rails là-haut, sur la gauche. Trouvons peut-être un autre wagon. Père, si la guerre contre Odin n'était pas que celle de Tyr, si c'était la nôtre aussi? La guerre n'est pas la seule solution. Ouais, je croyais que le boss de tout à l'heure, c'était un boss optionnel ou quelque chose. Mais on dirait que non. J'ai vraiment cru que je m'étais trompé de chemin. C'est pour ça que je suis revenu en arrière aussi. Oh, le maudit Atrice. Oh my god! Attendez.
Oh, c'est ça le geyser de flamme. Nice. Attendez, tranquille. Moi j'adore tellement utiliser les lames du chaos là, c'est tellement nice. C'est sûrement leur nid. Yeah, c'est bon. Oh oh. Je voulais pas détruire ça là parce que c'est quand même leur maison. Mais quand je suis obligé de le faire, je dois le faire. On va devoir remettre celui-ci sur les rails. C'est pas comme si ils ont fait une invasion chez moi ou quelque chose. Ben non, c'est moi qui fais l'invasion. Alors il faut pas que je détruise leur maison. Je suis méchant, mais pas aussi méchant que ça. Vas-y, fiston. Oh, c'est tout petit. Très bien. Nous devons aller à gauche. À gauche. Correct? Non, ma gauche à moi. Ta gauche à toi, donc la droite. Continue. Encore. On est tout près. Juste un peu plus à gauche. Ok. C'est beaucoup trop loin. Mimir, dis-lui à gauche. Oh mec, gauche et gauche. On est tout près. Juste un peu plus à gauche. Mon doux Jésus. Oui, c'est ça. T'es comme ma gauche. Allez, c'est reparti. Ah, ce bonhomme, man. Le petit Kraken t'a donné une pierre. Le Kraken. Oh, Dinah. Oui, elle est couverte d'algues. Je pensais qu'on pourrait la montrer à Brock et Sindri à notre retour. Tiens. Bon, si on est venu ici chercher Tyr, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à Odin. En y réfléchissant bien, une guerre pourrait... Oh non! Sur ta gauche! Oh! Bader! Retourne à la maison! J'ai pas de café ici! Vous êtes trompé dans le noir! Come on! Yo, je vous ai dit, j'ai pas de mec croquette, arrêtez, mec! Cherche le feu et arrête ce lagon. Il doit y avoir un levier quelque part. Trouvez! Le feu est coincé! Il sait encore. Bande de fous furieux! Y'a plus de Big Mac dans ma maison, arrêtez! J'ai déjà tout mangé! Arrête ce wagon! Oh, les maudits, mec! Oh, ils comprennent pas qu'on a plus d'un wagon ou quoi! Ça va! Non! Vous avez comment? Vous savez comment Kratos a regardé Atreus? Il dit non! Debout! Merde! Un troll? Oh! Pourquoi je me suis pas battu contre lui? Non! C'était une occasion manquée, ça! C'est une blague. Oh my god. C'est une blague pour vrai. Oh non, je l'adore. Je l'aime même pas celle-là. Yo, attendez. Voilà. Et j'ai complètement paré mon cul, je l'avoue. Ouf. Voilà. Je vais juste le barbecuer. Ah, come on, bro. Tranquille. Voilà. Il y a le doute qui nous attaque de loin, là. Attends, vous savez quoi? Je crois que je vais pogner ce pendant mon premier. Voilà! Get over here, brother! Bam! Si tu crois que je vais te laisser faire quoi que ce soit... Ton aussi! Wouh! Attends, pas... Voilà, un coup encore. Complètement dingue. Incroyable. Ça, tu l'as dit. Tu l'as dit, Boopy? Donc, ça sert à quoi de... Ah! C'est pour prendre ceci. Moi qui croyais qu'il y avait de quoi à faire. Voilà. Oh, j'en fais full vie, man! Nice! Guys? Bah! Attends, tranquille! Oh! Voilà! Wouh! Attaque pas le doute qui gelait, man! Honnêtement, ma hache là est là juste pour geler les ennemis, comme ça je ne ferai pas attaquer à longueur de journée, c'est tellement drôle! Ah, ok, yo, vous savez quoi? Stand Platinum! Let's go! Lâche-toi!
Ah, c'est tellement nice cette attaque-là. Oh, il croyait que je n'avais pas vu le dude. Attendez. What? Attention, lève les yeux. Oh, une chance que j'ai vu ça, oui. Bah, petite attaque spéciale juste pour toi, frérot, oui. Ouh, ça c'est quelque chose, ça m'a fait peur. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais crever. Nice! Cet endroit est incroyable. Attends. Dude. Je voulais pas aller en bas. Je voulais juste prendre ceci. Voilà. Regardez. Magique. Mais ça sert à quoi de faire ça? À rien du tout, non? Bon, ça quoi? On va aller en bas. J'ai vu un petit truc, moi, on va aller chercher vite fait, bien fait. Quand il y a un item rare comme ça, juste devant moi, je peux pas partir comme ça, hein? Argent. La pierre à aiguiser de la faucheuse nocturne. Face à l'occupation, les méthodes les plus directes sont souvent les meilleures. Trop usé. Devenu inutile. Assez parlé de toi. Concentre-nous sur la pierre. Ouais, j'ai dit, bouffé. Je devrais peut-être améliorer mes compétences, mais... Je suis sûr que je peux attendre à la prochaine fois avant de faire ça. Ben ouais. Je veux accumuler plus de compétences pour faire plus de trucs. Voilà. J'aurais pu faire ça! Oh my god! Quelle opportunité manquée! Rien ici? Ok. Ici? Oh, ok, yo! J'ai vu quelque chose que je peux utiliser. Je vais l'utiliser maintenant. Il y a des ennemis qui vont venir, sûr à 100%. Personne? Ok, alright! Ok, c'est bon. Bon, d'accord. Ici. Oh! Oh! Non! Méchant! Je suis en train de puncher à longueur de journée, puis vous avez vu ça? Le bonhomme, il a éclaté, man! Waouh, ça, c'était quelque chose! Yo, mon fils, là, il est tellement débrouillard! Oh, ma bad, j'ai appuyé sur un bouton, ça va exprès! Il est tellement débrouillard, c'est fou! Fais attention, fiston! Imaginez qu'il s'est fait exploser le dude, ce serait tellement drôle en ce moment. Mais bon. Attention! Voilà, t'es capable! Attends, je vais les puncher! Comme ça, je vais faire en sorte que leur viande s'attendrisse! Ah ah! Attends. Voilà, lui, on va le couper en ciment. Oh my. Je l'ai écrasé à la tête. Ça va bien, bonne affaire. Alors, petit, tu t'es laissé un peu aller tout à l'heure. Ce n'était qu'un mot. Brock a déjà fait bien pire. Le mot importe peu. Tu as perdu le contrôle. Mais on tombait. Et de haut. On allait mourir. Veux-tu que ce mot soit ta dernière parole? Oh! Non. Face au danger, la panique ne sert à rien. Contrôle-la et utilise-la. Oh boy! Quelle leçon, oui! Mine de... Jean-Mizda? C'est quoi cette affaire-là? Tranquille. Il y a une petite partie de puzzle ici à faire, je pense. Regardez par terre. Des rails. On doit mener à l'intérieur de la mine. On doit contourner cette caisse. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux détruire? Rien du tout. Je crois que je dois juste sauter, hein. Ah, je peux même pas sauter. Ok, attendez une seconde. Je suis en train de regarder partout, là. Peut-être qu'il faut que je remonte ici pour avoir une meilleure vue. Je ne vois rien. Non. Il y a quelque chose ici? Mais je crois pas que... Ben non. Bon. Ça non plus. J'ai comme l'impression que ça n'a pas fonctionné. L'eau semble alimenter la grue qui maintient cette caisse en hauteur. Ouais, mais l'eau... Ok, il faut vraiment que je remonte. Tout en haut, en fait. Comme... Attendez. Comme ça. What? Il faut aller même plus haut que ça. Oh my god, bro. Attends, non. Là, je suis en train d'aller en bas, ça c'est pas bon. Il faut que je gèle l'eau, ça c'est ça, 100%. Mais... Dans haut. Non, ça a pas l'air de marcher. Non. Non. Peut-être qu'il faut même pas aller en haut, hein. Peut-être qu'il faut juste...
Ok, les amis, comment je gèle l'eau? T'as une petite idée, Atreus? Non? Attends, je l'ai le canal de bois avec la hache et l'avatar pour bloquer l'eau. Mais c'est ce que j'essaie de faire! What? Attends, Ok, Hé, hey, tu as arrêté l'écoulement de l'eau dans cette eau. C'est bon, plus qu'à traverser. Waouh! Ok, ma bad. Votre coffre des Nornes. Oui, mais je ne vois ni seau à détruire, ni cloche à sonner. Celui-ci est différent. Ah, oubliez ce coffre, man. Ben, pas ce coffre. L'autre coffre, voilà. Je savais pas qu'il fallait faire ça directement sur le bois, man. Alors là, Ah, il faut taper ça. Je pense, hein. Mais bon, on y va. Wouhou! Ça, c'était quelque chose, man. Viser directement la structure et non l'eau. Oh, boy. Hey. Le choix du terme coopératif doit être ironique, non? Ok, nouvelle rune déchiffrée. Est-ce que je suis au bon endroit selon vous ou... On dirait que non, hein? Je sais même pas qu'est-ce que je suis en train de faire ici pour être honnête avec vous. Si Atreus reste ici, cela veut dire que le bon chemin... Ah! Est ici! Il voulait pas me suivre, voyons donc. Il veut pas partir à la chasse au trésor. Hey, qu'est-ce qui se passe? Oh, je peux l'envoyer en haut! Parfait! Je vais aller regarder de l'autre côté. Vas-y, Pépito. Fais quelque chose de bien! Père! Il y a une porte là-haut qui s'ouvre en direction de l'entrée de la mine. Si tu arrives à monter, j'aurai besoin de ton aide pour la soulever. Ok. Si! Tu y étais presque! Recommence! De quoi, recommence? Oh, un petit effort! Tu peux faire ce saut! Tes genoux sont pas si vieux! Atreus! Oh mon dieu, t'as une grosse bouche maintenant, hein! Oh, oh, ok! Attends, oh, refais-le! Oh, my bad! Je t'ai préoccupé par autre chose! J'espère que tu pourras faire ce saut-là! C'est encore une de ces auges en bois. Attends. Ah, c'est certainement dû à leur grand sens pratique. Pourquoi faire l'effort quand on peut laisser faire la nature? Ok, c'est bon. On a sorti Tigidou. J'espère que Tyr est ici. Atreus, on cherche des informations. Je sais. Arrête de croire que je veux déclencher une guerre. Pourtant, tu ne dis pas le contraire. Mes frères, peut-être devrait-on laisser cela de côté. Ok, comment je fais pour avancer? Je peux pas aller en haut et tout. Il faut peut-être que je rejoue avec ce truc-là, là, mais j'ai essayé de remonter ici. Ça marche pas, je peux pas remonter, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux pas sauter là. Il faut bien observer. Y a rien à détruire. Y a pas de mécanisme. Il faut vraiment que je bouge ceci. Mais comment je peux le bouger? Frérot? Ok, ouais. C'est ça, je peux pas revenir en haut. Je sais pas si c'est un bug ou quelque chose. Ah, pourquoi tu m'attaques, Atreus? Yo, je savais que tu voulais me tuer depuis le début, le dude, man. Ben ouais, cette partie puzzle là, faut bien observer. Y a sûrement quelque chose. Non. Je vois qu'il faut monter ici. Mais il faut que ceci arrête de taper ceci. C'est vrai. Je peux geler la structure. J'ai complètement oublié ça. Pour moi, c'est pas logique de lancer ma hache sur ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Oh boy. Ok, attendez. C'est bon. Ensuite, je peux faire ça. De ton côté, je le ferai du mien. T'es prêt? Oh wow! T'es fort, frérot! C'est plus lourd. Qu'est-ce que je pensais? Merci. Continuons. Et on continue. Je crois que c'est l'entrée de la mine de... L'entrée de la mine. Il y a sûrement un gros boss qui est là. 100% sûr. Ah, what? J'ai autre chose pour vous. Sindri! De quoi parles-tu? Puisqu'il vous manque une source de lumière, désolé, et que vous ne voyez pas quelle abomination rôde dans les ténèbres, ceci devrait vous aider. Reprenez votre exploration. Du balai. Merci, Sindri. Attends, que veux-tu dire par abomination? Il est parti, comme d'habitude.
Oh boy, man. Ah, les petits cendriers. Oh, oh, oh. Oh my god, c'est ça les abominations. What? Attends. Frère, ce monde s'est trouvé un perchoir. Il y avait Dodge, mon attaque, vous avez eu ça? Non. Perfecto. Attends, quelqu'un me crache dessus. Ah, je le savais, bro. Ha ha. Essaye même pas de partir en vacances, frérot. Oh, attendez, tranquille. Ma hache, sur toi. Voilà, comme ça je... Touche pas mon feu. Toi non plus. Ah, ah, toi non plus. Bah. Bah. Perfecto. Bonne nuit, frérot. Attends. Coupez un petit morceau. Waouh, on va bien le manger ce soir, man. Voilà. Bah. Ouh. Yo, j'aurais pu faire mal à Atrus, il était juste à côté de moi. Je sais pas si vous avez ça là, mais bon. Ah, je sais pas à quoi ça sert de faire ça. Oh waouh. Oh, c'est pas terminé. Bravo, piston. Bah. Attendez. Ouh. Pitié, man! L'échappée belle! Ouh! Ça là, tu l'as dit, Buffy, ça c'est crazy! Oh, wow! Les mines se retrouvent ici, il y a plein de trucs bizarres qui se passent, c'est quoi ça? Je crois qu'on y est. C'est cette mine! C'est quoi cette affaire là? Intéressant. Cela dit, nous ne pourrons rien en tirer avec notre équipement actuel. Évidemment, on doit revenir ici dans le futur, c'est pour ça que je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais bon! Je sens qu'il y a de quoi qui va se passer dans cette mine, alors on va se garder la surprise pour la prochaine fois. Alors mes chers amis, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors aujourd'hui on a fait des trucs intéressants et j'espère que la prochaine fois, on va rencontrer un boss de fou. Ah, j'ai tellement hâte, man. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Me suivre sur les réseaux sociaux, plapla, thank you very much, on peut de support ton amigo. Et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye.